Bienvenue sur ma chaîne Courcade. Alouette, manuel de français. La lecture. L'ogre et les bonbons bleus. L'ogre mandibule aime cuisiner un enfant chaque jour, car il ne mange que des aliments frais. Il déteste les produits chimiques et les aliments tout prêts. Un jour, au supermarché, il capture Rosaine. Mandibule attrapa Rosaine par les chevilles. De sa main libre, il sortit du frigidaire un bol de mayonnaise faite maison pour l'y tremper. Si je ne trouve pas une idée géniale dans 2 secondes, cet ogre m'aura croqué une oreille. Conclut Rosaine. Ça devenait urgentissime. Ses cheveux trempaient déjà dans la sauce. Soudain, elle entendit des petits blocs. Les bonbons qu'elle gardait dans sa poche venaient de tomber dans la mayonnaise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla l'ogre en pointant les taches bleues fluo qui flottaient sur la mayonnaise. « Des bonbons !» répondit Rosaine. « Beurre, c'est plein de produits chimiques et de colorants. Des bidules !» Devant l'air méfiant de Mandibule, Rosin comprit qu'un ogre qui mangeait du pain maison avec du beurre bio ne devait pas du tout apprécier les bonbons bleus. S'il fait attention à la composition de ce qu'il mange, je vais le dégoûter de moi, se dit-elle. Ensuite, il me libérera. Ces bidules, ce sont mes bonbons préférés, les bloutongues. J'en ai mangé un sac entier aujourd'hui. Je les adore. Ils s'éclatent sur la langue en faisant des bulles. Un peu comme un soda. D'ailleurs, j'en ai bu 1,5 litre tout à l'heure. Du soda? Pouark, s'écriera Mandibule. C'est sûr, je ne suis pas bio. Ajouta Rosaine. Si tu me manges, c'est à tes risques et périls. Maintenant, l'ogre regardait la petite fille comme si c'était un monstre répugnant. Il ne s'était pas vu lui. Pour achever de le dégoûter, Rosin avala un autre bloutang avant que Mandibule ne puisse le lui arracher. Tu devrais goûter, c'est délicieux. Puis Rosin tira la langue quand Mandibule vit qu'elle était bleue. Yerk, pouark, triple burk. Merci de votre attention, à la prochaine.